Bonjour Yann Chaillou. Bonjour Nous Joël. sommes à J-7 du Festival de Cannes organisé sur Orléans et donc à J-7 du concours d'éloquence organisé par Tous Différents, Tous Orléans. C'est ça. Alors, comment l'idée... C'est un peu stressant là, hein. On arrive dans la dernière ligne droite, donc oui, c'est vrai. Beaucoup de stress. Ça fait beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Comment l'idée est venue d'organiser un concours d'éloquence en lien évidemment avec Cannes 39? D'abord, peut-être expliquer ce que c'est que Tous Différents, Tous Orléans. Donc, c'est un think tank, un laboratoire d'idées dont l'objectif est de faire de la prospective. Alors, qu'est-ce que c'est que la prospective? En fait, c'est tout simplement d'essayer d'imaginer ce que sera Orléans dans 50 ans et d'essayer en tout cas de faire des propositions pour se préparer aux changements, qu'ils soient climatiques, économiques, culturels. Voilà. On essaie de travailler là-dessus. Donc, concrètement, notre cœur d'activité, c'est d'organiser des débats. On organise des débats à peu près une fois par mois où on invite des personnalités qui peuvent nous éclairer sur des sujets très particuliers. Donc, on a quatre sujets qu'on travaille régulièrement. C'est la culture, l'économie, les transports et le logement. Et puis, parce que le long terme, c'est important, mais qu'on veut aussi essayer de travailler sur des choses très concrètes, on a fait des propositions, on a lancé des idées à Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc, pour les moderniser, les rendre plus populaires et plus culturelles. On a fait des propositions sur le climat, sur l'Europe, sur les commerces cet été. Dans un souci de co-construction, tout aussi bien avec les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à Tous Orléans, oui, hein, que avec les partenaires et les personnalités d'Orléans. Tout à fait. On existe donc depuis 2 ans, donc c'est assez récent, mais on a déjà beaucoup fait de débats, beaucoup de propositions déjà lancées, mises sur la table. Et puis, en plus de cette idée de faire un peu de la réflexion, du travail d'idées, parfois d'être un petit caillou dans la chaussure, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment essayer de faire un outil, des outils, en tout cas de proposer des outils de participation citoyenne. Dans les outils de participation citoyenne, on a créé il y a un an et demi à peu près un grand questionnaire qu'on a appelé Orléans parlons-en. On a proposé aux personnes, aux Orléanais, ou même hors Orléanais, de vraiment nourrir notre réflexion, de répondre à un certain nombre de questions. On a posé 20 questions, il y a 200 personnes qui nous ont répondu à ce moment-là, et ça a vraiment permis de pas être seul, de pas faire nos débats dans nos petits coins et vraiment d'essayer d'être plusieurs, pas être tout seul. Et en plus de ça, sur la participation citoyenne, on a lancé il y a un an quasiment jour pour jour, une liste de 22 lieux à réinventer, à réinvestir dans la ville, et on y a beaucoup travaillé. on est allé se balader à Orléans, dans toute la ville, dans tous les quartiers, puis on a proposé des lieux, voilà, à réinventer, à réinvestir. Mais ça, c'était pas le tout de faire une liste et de proposer des choses. L'idée, c'était que cette liste elle puisse être enrichie par les personnes dans leur quartier, vivant dans leur quartier, pour que ce soit pas un travail, encore une fois, de nous, tous Orléans, et tout seul dans notre coin. Et troisième outil de participation qu'on a lancé, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est le concours d'éloquence. Un concours d'éloquence. Alors, l'idée du concours d'éloquence. Voilà, donc un concours d'éloquence dont notre objectif, c'était non pas de faire un concours, mais de proposer un espace d'expression supplémentaire. Il n'y a pas un espace d'expression mieux qu'un autre, mais on a voulu faire un espace d'expression par ce concours d'éloquence. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y aura pas que des jeunes et des moins jeunes qui feront des discours pendant notre concours. On aura aussi un artiste pendant la finale, un artiste peintre qui fera du live painting en direct. Donc il aura une toile et pendant toute la durée de la finale, il devra peindre sa toile avec des thématiques qu'on lui aura imposées. On aura aussi un lycéen qui viendra faire du chant. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup travaillé ce programme artistique autour du concours. Mais en tout cas, ce n'est pas qu'un concours, c'est un espace d'expression. On a voulu ça comme un espace d'expression. Et l'objectif pour nous, c'était de révéler des talents cachés et de faire en sorte que chaque personne, quel que soit son âge, son sexe, ses origines, puisse participer au débat public. Tout le monde est légitime pour participer au débat public. Et surtout, le plus important, c'est aussi d'être
entendu. Ça, ça nous semblait important. Oui, alors de révéler des individus qui vont passer, hein, mais aussi de leur donner des outils, de les former. Tout à fait. Pour qu'ils puissent se sentir au mieux, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout l'habitude de parler en public. Non, tout le monde n'a pas l'habitude de parler en public. Alors, il y a 14 candidats, on en a eu 24, 14 candidats pour les demi-finales. Il y en a eu 24 pendant la présélection le samedi 19 octobre. Donc, on a effectivement eu tout un travail de formation qu'on a mis en place, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais pour nous, l'idée, c'était vraiment de proposer, effectivement, de faire en sorte que ce concours d'éloquence, ce soit un outil de formation. Prendre la parole, c'est bien, mais prendre la parole sans être entendu, ça sert un peu à rien. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer une formation pour que la prise de parole elle puisse être efficace et influente. Influente, c'est hyper important. Et donc, on a mis en place tout un outil, un programme de formation. Et le programme de formation, dès le départ, c'était très important pour nous. On a commencé à travailler sur le concours d'éloquence en décembre l'année dernière. Et je crois que c'était en février ou mars, on a rencontré Anthony Gauthier, qui était donc journaliste, qui est toujours journaliste, mais qui était journaliste d'Apostrophe 45, un média en ligne. Et on voulait travailler avec lui, en fait, sur une formation spécifique sur le journalisme, comment un fait peut étayer un discours, comment ça peut permettre de convaincre d'avoir un chiffre, mais sans que ce soit faux, sans qu'on tombe dans le complotisme aussi. Donc il y avait toute cette démarche-là qu'on a commencé avec Anthony. Et puis, quand on lui a parlé du projet, tout de suite, il nous a dit « Écoutez, Anthony, il faut savoir qu'il venait de commencer à travailler pour le Festival Cannes 1939 en tant que chargé des relations presse et médiateur culturel. Il nous a dit « Je crois que ça peut intéresser l'équipe du Festival Cannes 1939. » Donc le maillage s'est fait comme ça. Et c'est par hasard, parce que dès le départ, on avait réfléchi à de la formation et qu'on avait pensé à Anthony, que petit à petit, on est arrivé dans Cannes 39. Je pense que pour le festival Cannes 1939, l'intérêt, c'est qu'on soit dans une démarche d'éducation populaire, que Jean Zay a toujours prôné les démarches d'éducation populaire. Et je rajouterai juste une chose pour bien comprendre un peu le fil rouge de ce concours. Souvent, on nous demande, mais quel lien entre Cannes 39 et le concours d'éloquence? Bah, tout simplement, c'est Jean Zay. Jean Zay, il a inventé le festival de Cannes en 1939. Mais il a aussi, en 1943, écrit que l'art oratoire n'était pas assez enseigné. Et donc, ça prouvait. Alors, soit, moi, c'est souvent ce que j'ai l'habitude pour dire, soit nous, on est très en retard aujourd'hui, puisqu'il y a une réforme du bac, beaucoup basée sur l'oral. Soit on est très en retard aujourd'hui, soit il était très en avance. Peut-être que c'est un peu des deux. En tout cas, le lien est là. Jean Zay a toujours parlé d'éloquence, il a toujours dit que c'était important. Pour l'émancipation des individus. Et d'ailleurs, c'est ce que Tous Orléans réalise en allant au plus près des individus, dans les quartiers avec la ZERCO, par exemple. Tout à fait. Alors, peux-tu nous parler, en fait, des liens et du partenariat avec la ZERCO? Alors oui, en fait, c'était vraiment l'idée de pouvoir impliquer des jeunes. Des personnes qui sont en fait le moins entendues dans la société. Nous, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui est le plus entendu dans la société? Alors évidemment, c'est d'abord les élus, les personnes qui manifestent, mais finalement, c'est assez peu les jeunes. On entend très peu les jeunes dans le débat. Alors qu'ils nous ont dit plein de choses et qu'ils ont plein d'arguments sur des sujets d'actualité. On peut retrouver d'ailleurs toutes les interventions des candidats et des candidates le 19 octobre sur le site tousorléans.fr. Vraiment, ils ont été extraordinaires. Il n'y a pas que des jeunes, d'ailleurs, dans le concours. Non. Je pense à Véronique, qui a 56 ans, Claudine, qui en a 70. Alors, elle n'a pas passé l'étape de la présélection, mais enfin, elle n'ira pas en demi-finale, mais vraiment des choses extraordinaires qui ont été dites vraiment par tout le monde, tous les candidats. Et en fait, nous, l'objectif dès le départ, c'était vraiment de pouvoir toucher un type de population qui est vraiment le moins entendu dans la société. Il y avait aussi l'idée d'aller chercher des gens qui sont un peu éloignés de la politique. Nous, on est toujours dans cet esprit-là avec Tous Orléans, essayer d'aller chercher des gens qui finalement ne sont plus vraiment dans le débat public, qui sont un peu à côté, mis à côté. Éloignés de la culture aussi. Alors, un peu Jean Zay était très sensible à ça aussi. Et nous, on s'est tout de suite dit, la ZELCO, c'est hyper important.
Il faut qu'on puisse contacter donc la ZELCO. J'ai contacté Bertrand Perrier, qui tout de suite, le président de la ZELCO, qui tout de suite a été très favorable au projet, et je tiens vraiment à le remercier. On a rencontré Lionel Beaumont, le directeur général de la ZELCO, que je remercie aussi parce que vraiment c'était extraordinaire. On a vécu une aventure extraordinaire. On a vu plus de 200 personnes en septembre, enfin de fin août jusqu'à début septembre. On a diffusé dans les ASELCO, donc les ASELCO nous ont ouvert leurs portes, il y a 13 centres, les ASELCO c'est les centres sociaux, pour celles et ceux qui ne le savent pas, sur Orléans. On nous a, que sur Orléans, hein, pas sur Saint-Jean-de-Brest, Saint-Jean-d'Arvel, où il y a d'autres structures, mais l'ASELCO nous a vraiment ouvert ses portes. On est allé dans tous les quartiers, dans les 13 centres, et on a commencé par diffuser un film qui s'appelle Le Brio, avec... Camilla Jordana. Et on a discuté. Qui parle d'un concours d'éloquence. C'est ça, qui parle d'un concours d'éloquence, plutôt basé sur le droit. Et on a rencontré donc 200 personnes. On a commencé à parler d'éloquence avec eux, les techniques, voilà, quels étaient les freins aussi pour Camilla Jordana dans le film, pour son personnage, quels étaient les freins de son personnage pour participer au débat public, pour participer à ce concours. Et petit à petit, on les a amenés à se poser aussi la question de quels pouvaient être leurs freins pour participer à un concours d'éloquence. Et petit à petit, on les a amenés vers notre concours d'éloquence. On a intéressé à peu près 40 personnes. Donc il y a 40 personnes qui se sont dit « Ok, moi ça m'intéresse, j'ai bien envie d'essayer, pourquoi pas, de participer à un concours d'éloquence. » Et on ne s'est pas arrêté là. En septembre, en septembre et jusqu'à début octobre, on a fait des ateliers de formation, tu y as participé, on a fait des ateliers de formation, enfin pas de formation, plutôt de découverte, de sensibilisation à l'éloquence, avec les personnes, à peu près les 40 personnes qui s'étaient positionnées sur le concours. Comme une guidance pour eux, comme c'est un ça. Point d'appui, donc on a proposé, comme une réassurance aussi. C'est ça, on a proposé des débats d'actualité avec des articles de presse, ça a été génial, on a fait un peu du théâtre, de l'improvisation théâtrale, des petites scénettes que chacun imaginait. Et puis on a fait aussi du karaoké, mais non pas avec de la musique, mais avec des discours. Alors on a pris Malraux, on a pris un certain nombre de personnalités politiques, mais aussi beaucoup d'artistes qui font des discours, justement, au Festival de Cannes, quand on reçoit un prix. On fait un discours, généralement. Donc on a pris Xavier Dolan, par exemple, qui avait gagné... le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 2014. Et donc, on a travaillé là-dessus avec les jeunes. Donc, on faisait du karaoké sur des discours. C'était juste génial. Et je tiens juste à dire que sans les ASELCO, le 19 octobre, pendant la présélection, sans les ASELCO, on n'avait que 10 personnes qui participaient au concours. Avec les ASELCO, on en a 24. Donc, il y a 14 personnes qui sont allées jusqu'au bout de la démarche du concours d'éloquence pour aller sur scène. Et pour beaucoup, ça n'a pas été facile de monter sur scène. Alors, je ne veux pas parler à leur place, mais vraiment, il y a eu des démarches assez fortes chez chacune des personnes qui étaient présentes. Donc, c'était important pour nous de valoriser aussi l'ASELCO, de leur dire merci à tous les responsables de centres ASELCO. Vraiment, tout le monde a mis sa patte. Autre chose que l'ASELCO a apporté, mais c'est rigolo, c'est une responsable d'établissement qui nous a proposé ça, c'était de faire du tirage au sort. Elle nous a dit, pourquoi on ne tirerait pas au sort quelqu'un dans le public pour participer au jury? On a repris cette idée, et donc à chaque fois, à chaque date du concours, dans chaque jury, on aura quelqu'un qui sera tiré au sort dans le public. Alors justement, le jury, il est constitué comment? Ça va s'organiser de quelle façon? Alors, je ne peux pas tout dire sur le jury, parce qu'en fait, on va communiquer très, très rapidement sur le jury. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le jury, déjà, c'est un jury assez éclectique, assez divers. On a essayé de faire en sorte qu'il puisse représenter toute la diversité de la société française, même si il y a encore des défauts, mais comme dans tous les projets, dans tous les jurys, il y a des défauts. Mais c'est pour aller vers la perfection. Donc c'est voilà, il est plutôt paritaire, ce jury. Oui. Je ne donnerai pas tous les noms, mais juste... trois noms et paritaires et qui rassemble la diversité, juste sur les invités dans notre jury qui sont des invités politiques. Pour les deux demi-finales, on a Abel Moitié, l'adjoint à la culture et à la mémoire à la mairie d'Orléans. On a Caroline Janvier, députée du Loiret,
Et pour la finale, on a Patrick Kanner, qui est donc président du groupe socialiste au Sénat et ancien ministre, surtout, oui. C'est le plus important, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous l'ancien quinquennat. Et donc, on a vraiment une pluralité dans le jury. Un jury voilà, qui aussi, d'ailleurs, doit beaucoup travailler, on en parlera peut-être quand on parlera des thématiques. Mais un jury qui doit beaucoup, beaucoup bosser. Alors, parlons des thématiques. Alors, sur les thématiques. Parce que beaucoup nous disent, mais... Oui, comment ça va se passer? On n'a pas tout dit sur les thématiques. Les candidats savent bien, ils sont assez au fait hein, de ce qui se passe, heureusement pour eux, et ils sont en train de se préparer. Il y a d'ailleurs une formation aussi ce soir. Tout à l'heure. Les thématiques, donc il y a quatre thématiques. Il y a la culture, l'Europe, la République et la laïcité. La culture, c'était le thème pour la première... pour la présélection, pour la première date. La question, c'était « La culture nous enferme-t-elle dans nos quartiers ?» Et c'était une question unique pour l'ensemble des candidats. Ensuite, on a la question de la République, des questions, pardon, sur la République et sur l'Europe. Il y a 22 questions en tout sur la République et sur l'Europe. C'est les sujets pour la demi-finale. Et dans cette liste de 22 questions, les candidats en choisissent une seule et ils tentent d'y répondre. Alors, c'est des questions très diverses. Par exemple, la liberté est-elle l'ennemi de la démocratie? Je pense à celle-ci, par exemple. Ou, par exemple, la jeunesse peut-elle sauver l'Europe? On a des questions assez philosophiques qu'on a d'ailleurs essayé de reprendre. On en a repris quelques-unes du Café Philo qui se fait à Jean Zay. Donc, c'est une association, d'ailleurs, que je recommande, le Café Philo, c'est vraiment génial. Il y a toujours une centaine de personnes qui sont là au lycée Jean Zay. C'est le mardi, généralement. C'est pas tous les mardis, je crois que c'est un mardi tous les trimestres. Donc, on a essayé de reprendre quelques questions d'ici. Mais on a beaucoup travaillé sur ces questions avec les étudiants en master métier de l'accompagnement politique, donc des camarades de Léa Mimo, que je remercie elle aussi, présidente de l'association MAP. Donc du master métier de l'accompagnement politique, qui nous ont aidés à travailler sur les questions, qui vont aussi nous aider sur l'ensemble du concours, à l'animation, la communication, mais vraiment qui ont beaucoup travaillé sur les thématiques avec nous, parce qu'au final, il y a 30 questions. Donc les 7 dernières, c'est sur la laïcité. La laïcité, donc pour la thématique finale, il y a 7 questions. Les 6 finalistes choisiront, pareil, une question, et ils y répondront. Je veux juste préciser que les questions, ils peuvent être plusieurs à choisir la même. C'est pas grave, on a voulu être dans la liberté. Chacun choisit son thème. D'ailleurs, ce qui nous permet aussi de voir quelles sont les questions qui sont le plus reprises et celles qui sont le moins reprises. Puis la question n'est que prétexte à discourir, en fait. Exactement. Et en plus de ça, on a rajouté une petite difficulté en plus de ces 4 thématiques, c'est les films. Puisqu'on s'intègre dans le festival Cannes 39, il fallait qu'il y ait rajouté des petits liens. Donc chaque candidat, pendant les demi-finales, pas pendant la finale, mais pendant les demi-finales, sont invités en fait à faire deviner au jury un film de la sélection Cannes 1939 qu'ils ont apprécié. Donc qu'ils ont regardé, ils ont accès au film avant l'heure, avant que le festival Cannes 39 débute. Et puis ils peuvent les voir, choisir un film qu'ils apprécient et le faire deviner au jury. Et ce qui permet vraiment de créer du lien entre le festival et le concours. C'est un petit jeu en plus, alors ça n'apporte pas de points aux candidats. Par contre, ça permet d'ouvrir un prix en plus. Il y a 5 prix dans le concours et il y a le prix Cannes 1939 qui va décerner, qui va récompenser la meilleure devinette. Quoi. Oui, et puis quelque part, ça fait partie du festival de Cannes 39. Avec ce qu'ont voulu les membres du Cercle Jean Zay aussi, hein, qui est une association sur l'Orléans depuis bien des années et qui œuvre pour garder la mémoire et la philosophie de Jean Zay. Voilà, sur les thématiques, pour nous, les objectifs sur ces 4 thématiques, en fait, déjà, raviver la mémoire de Jean Zay, comme tu le dis. Donc là, on peut quand même citer... La République, Jean Zay était un grand républicain. La culture, Jean Zay était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, donc ce qui correspond au ministère de la Culture. Donc la culture et la République sont des thèmes on peut parler de Jean Zay vraiment beaucoup plus fortement que sur peut-être les deux autres. Et la thématique de la laïcité, c'est plutôt une thématique
où il y a un débat assez fort au niveau national en ce moment, et en même temps, qui a des impacts au niveau local. La laïcité, c'est un débat aujourd'hui qui a lieu partout, qui transcende toute la société. Oui, et à la fois, j'ai trouvé que les jeunes, ils avaient une belle mise à distance par rapport à ce thème qui est problématique pour beaucoup d'adultes, et pour eux, ma foi, ils le vivent au quotidien, différent. Ils ne sont pas encore en finale, c'est peut-être pour ça. Et quand ils vont arriver en finale, de toute manière, ils seront obligés finalement de passer par ce thème-là. Oui. Mais c'est vrai que, en tout cas pour nous, l'idée, pour nous tous en Orléans, c'était vraiment de ne pas se cantonner qu'au débat qu'on organise, les quatre débats que j'ai cités tout à l'heure, qui sont des débats très locaux, mais il fallait aussi, pour nous, c'était essentiel, essayer d'avoir une réflexion aussi sur le national, quoi. L'ensemble de ce qui se passe pour mieux vivre ensemble, quoi. C'est ça. Et sur l'Europe. Oui. Thématique importante, puisque quand même, Cannes 1939, le festival de Cannes inventé en 1939 par Jean Zay, a été annulé. On a malheureusement annulé cette première édition à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Cannes 1939... il faut recontextualiser ça, et l'Europe finalement en fait partie. Et nous, l'idée de ce concours, c'est aussi de permettre aux candidats et aux candidates de finalement donner une lecture un peu atypique, enfin, s'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés de donner une lecture atypique, en tout cas de donner une lecture, leur lecture sur le monde de demain en s'appuyant sur les films d'hier. Et ça, c'est assez intéressant. C'était en tout cas nos objectifs, c'est assez modeste, mais voilà, on avait ces objectifs-là, et puis on avait très envie de travailler sur l'Europe, la culture, la laïcité et la République. Donc, en tout cas, beaucoup d'individus, d'associations nous ont suivis, en fait. Alors oui. Et ça, c'est ce qu'il y a finalement de plus important. C'est... Au-delà des participants, qui sont le premier bien public sûr. D'importance, bien sûr. Les partenariats, on a parlé de la ZELCO. J'ai cité Abel Moitier qui viendra... dans notre jury la première demi-finale, la mairie d'Orléans nous soutient, et ça c'est vachement important pour nous. Et puis sinon, sur la formation, en fait on a beaucoup de partenariats, on a mis en place beaucoup de partenariats pour faire en sorte qu'il y ait une formation un peu diverse, que ça permette aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir des endroits un peu différents. L'idée aussi du concours, c'était de faire un outil de rassemblement, de faire en sorte que des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se voir, de se rencontrer, qui ne sont pas prédestinées à travailler ensemble, puissent à un moment le faire. Et que ça leur serve après. Et que ça peut leur servir. Dans leur devenir professionnel ou de vie, quoi. Exactement. Par exemple, on a des avocates, Maître Palladino, Maître Etoumi, qui ont été dans le jury de présélection, qui seront dans le jury aussi pour le concours, les demi-finales et la finale. Et Maître Palladino a reçu des jeunes au tribunal pour vraiment faire une découverte du tribunal correctionnel, d'une audience en correctionnel. C'est vraiment, ça a permis à des jeunes qui n'étaient jamais venus au tribunal de découvrir le tribunal. Et d'ailleurs, dans l'une de ces participantes, il y avait une jeune qui, justement, plus tard, aimerait être avocate. Donc, ça a été utile pour elle. Elle n'était jamais allée au tribunal, et là, elle a pu, par le concours, finalement, y aller. Alors, elle aurait pu par d'autres moyens. Hein. C'est susciter les choses. Voilà, c'est vraiment pour expliquer la démarche. On a essayé de susciter des choses. On a aussi eu un partenariat avec France Bleu Orléans. Oui. Je remercie Philippe Manier, le directeur de France Bleu Orléans, qui a formé les participants. Alors, pas toutes et tous, parce que en fonction des horaires, tout le monde ne peut pas venir. Mais Philippe Manier, vraiment, a travaillé avec eux sur la voix. Ils ont enregistré des sons, ils ont pu s'écouter, retravailler. Ils ont aussi écrit, parce qu'il y a un style d'écriture différent pour la radio. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, troisième partenariat qui est important pour nous en termes de formation, c'est le CDN, le Centre Dramatique National, qui est plutôt le théâtre de création à Orléans, via Nathalie Dumont, la secrétaire générale, via Océane Duhamel, la chargée des relations publiques, que je remercie encore. Il y a beaucoup de personnes à remercier, il y a environ 60 personnes qui ont travaillé sur ce concours. Et puis ce on a concours. Eu un bon point d'appui. Des bénévoles de tous Orléans. Hélène Moucharzet aussi. Des bénévoles de tous Orléans. Hélène Moucharzet qui est venue
à un bon nombre de réunions qu'on organisait dans les ASELCO pour expliquer le lien justement entre l'éloquence et Jean Zay et les festivals Cannes 39. Vraiment, il y a eu tout ça qui s'est fait, qui était important. Mais, une belle émulation. Par exemple, sur le CDN, ce soir, donc, il y a un atelier de formation avec un artiste, Sylvain Dufour, pendant 3 heures, et c'est le CDN finalement qui nous offre cette possibilité-là, enfin, qui offre aux participants au final de faire ça. Donc c'est utile quoi, de pouvoir voir que la démarche d'éducation populaire elle plaît aussi et qu'on passe pas que par l'éducation nationale, qu'on peut aussi s'émanciper autrement que par l'éducation. Voilà, l'éducation populaire. Alors, pour en terminer, parce que je crois que c'est long. En conclusion, il y a beaucoup de choses à dire. En tant que président de Tous Orléans, quelle suite à donner tu fais à ce travail, tu ferais à ce travail? Alors déjà, je l'ai dit, il y a plusieurs bénévoles dans le projet. En tout, il y a à peu près 15 bénévoles de Tous Orléans qui se sont mobilisés. Tu en as fait partie. Il y a Aubin aussi qui a travaillé. Je pense à Elisabeth. Je pense à Sarah, Louise qui est en train de faire des trophées par exemple. Enfin, on est vraiment en train de mettre en place plein de compétences sur plein de sujets différents, sur la communication, l'artisanat pour faire des trophées. Elle est faite main, enfin, c'est des trophées qui vont être faits main. Donc vraiment, il y a beaucoup de personnes à remercier. Jérôme aussi qui a travaillé sur tout le système d'évaluation. C'est juste extraordinaire, il fait des tableaux Excel un peu fous, donc je ne pourrais pas dire moi seul la suite d'un projet comme ça. Il faut qu'on se réunisse tous ensemble pour réfléchir et puis aussi avoir l'avis des participants. Je sais qu'il y a un certain nombre de participants qui nous ont dit, un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu participer, qui nous ont dit c'est dommage, ça se passe en journée. Oui. Les formations se passent en journée, pas toutes, heureusement, il y en a qui se passent en soirée, mais les formations se passent en journée, globalement. Les demi-finales et la finale, ça se passe en journée, en semaine. Donc, c'est compliqué pour nous. Et donc, faut et écouter. Pour les lycéens, c'est un peu compliqué. Alors, c'est plus facile, mais ça reste un peu compliqué en termes de temps. Donc, pour nous, l'idée, c'était vraiment de permettre à chacun de participer, même avec des défauts, un projet qui a des défauts. Donc, il va falloir identifier tous ces petits problèmes-là, tous ces petits défauts, pour essayer d'améliorer. Donc, il faut commencer par travailler là-dessus, avec les participants, avec les bénévoles, exactement, une évaluation de notre projet, puis réfléchir à l'avenir. Mais sur l'avenir, moi, je trouve que le plus important, ce n'est pas forcément le concours, c'est l'espace d'expression. Donc, il faut imaginer des espaces d'expression. Nous, notre objectif, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte de créer des espaces d'expression pour des personnes qui sont moins entendues dans le débat public. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas entendues dans le débat public. Donc, on peut imaginer plein de choses. Et puis, dernière chose, en plus du concours, c'est peut-être d'essayer de travailler sur la mémoire de Jean Zay. Je sais que Jean Zay fait beaucoup, mais j'écoutais Hélène Mouchard la semaine dernière qui a parlé d'une maison de Jean Zay. Au même titre, comme tu le disais, qu'il y a des maisons d'écrivains dans plein d'autres villes, peut-être qu'on peut avancer aussi sur ce travail-là. C'est en tout cas une des propositions de Tous Orléans. Voir si on peut avancer sur la création d'une maison Jean Zay. Ça peut d'ailleurs intégrer les lieux à réinventer. Peut-être qu'on peut intégrer ça. Qui serait un espace de vie. Quoi. De l'éducation populaire. Il y a beaucoup de choses à imaginer sur le plan de la mémoire, raviver la mémoire de Jean Zay. Heureusement, par rapport à il y a 5, 10 ans, il y a eu beaucoup d'avancées qui sont du fait, il faut le dire, du cercle Jean Zay principalement. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer, une mémoire, ça sera vive. Sur les espaces d'expression, on verra. On évaluera cet espace d'expression et puis on essaiera de toute manière d'en créer d'autres, ça c'est sûr, mais je ne peux pas dire si ça passera par un concours. Ouais, moi j'aimerais bien, c'était sympa à organiser, mais pas tout seul, parce que c'est compliqué. Alors la finale, c'est vendredi. Donc, la finale, vendredi 15 novembre. 15 novembre. Vendredi prochain, à partir de 13h30. Et les demi-finales, c'est le mercredi 13 et le jeudi 14, pareil, à 13h30. L'entrée est gratuite. Et c'est au théâtre. Et c'est au théâtre d'Orléans, l'entrée est gratuite. L'entrée au festival est payante. Hein. On va voir des séances de cinéma, donc c'est évidemment payant. Heureusement, il faut financer la création qui est derrière, l'aspect artistique. Mais l'entrée au concours est gratuite, donc c'est un peu le off
du festival Cannes 39 qu'on est en train d'organiser. On attend tout plein de participants, tout à fait, on vous attend. Spectateurs. Merci. Bonne journée.